Nous revoici donc sur une partie des Sims 4 pour le défi Amis de la forêt. Donc comme vous voyez depuis la dernière fois, il y a eu du changement, c'est normal. Donc je reviens avec un peu de retard concernant les épisodes. Parce que tout simplement j'ai eu des petits soucis techniques pour l'enregistrement de la vidéo. Je n'avais pas vraiment le temps non plus. Donc voilà, donc là tout simplement en fait on a fait, enfin j'ai fait plutôt, des petits changements. On a gagné un peu d'argent, donc on a pu donc s'offrir cette magnifique touche en bois et également quelques petits objets, dont un ami. Nous avons Lucie qui est notre nouvelle amie. Qu'est-ce qu'elle fait? Va parler à ton vrai ami, tiens, tiens. Voilà, va parler de pêche. Donc, du coup, nous nous sommes offerts cette merveilleuse ruche qui est tout en bois. Voilà, c'est sympa. Et donc, pour augmenter notre compétence bricolage et fabriquer des meubles, nous avons maintenant l'établi. Voilà. Donc on va pouvoir bien se faire de l'argent. Et nous avons tout ça dans notre... Voilà, donc elle a aussi trouvé un baie de plante vache. Est-ce que je la plante maintenant? Moi je la garde pour plus tard. Voilà. Par contre il pleut pas, alors est-ce que tu peux changer de tenue? C'était un peu l'air con quand même. On va mettre ça. Voilà. Alors, du coup, nous avons tout ça comme argent. Ce qui serait bien, c'est qu'on commence à se faire un petit peu d'argent. Tiens, on va faire ça. Qu'on se fasse un petit peu d'argent pour construire un début de maison, même si je trouve que c'est sympa. Ah, c'est fait attaquer par les appels. Bon, oh, anti-mythe. Ah ouais, tiens, fais ça. Ah ouais, il y a des mythes, mais pas. Ah, à Baïkal. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Faire une prise fantastique. Trouver une nouvelle affiche. Non. Ok, oh, amoureux des chats. Super, ça veut dire que si un jour on a des animaux, il va les aimer. Enfin, en tout cas, les chats. Moi, je me vois plutôt avoir un chien. Hein. C'est plus aventureux. Bref. Alors, oui, du coup, ça serait bien qu'on arrange un petit peu plus ce coin de camping, là. Parce que, bon, ça commence à être habité, mais il n'y a pas encore grand-chose. Hein. Tiens, faut qu'on sorte ton bloc de couteau. Qu'est-ce qu'elle a à faire aussi? Oh! Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ce qui serait le plus intéressant en premier, c'est qu'elle ait un abri pour l'automne et l'hiver. Parce que là, on est à la fin de l'été. Et du coup, il va commencer à faire froid en automne. Il va pleuvoir, etc. Donc, ça serait bien qu'elle ait un petit abri. Petite cabane. Je sais pas si c'est... On peut le faire maintenant. Ça va mettre de l'ombre. Mais bon. Non, j'ai pas assez d'argent. Je peux même pas faire ça. Ok. Comment je suis triste.
Ça coûte si cher. Bon. Bah, va falloir qu'on se fasse des sauts. Alors. Partiellement pleine. Tiens, vendre mur. Tout récolter. J'avais pas mis des trucs là. Ah si. Ils sont tellement bien incrustés dans le décor que j'avais pas vu mes jacinthes ici. Ok. Tout récolter, on vend après, hein. Ah, par contre, c'est été et printemps, ça veut dire que après j'en aurai plus. Faut que je plante autre chose. Automne et hiver, les oignons. Je vais planter des oignons. Les oignons, je vais les mettre. Alors, ça c'est fleur de muffier. Ah oui, j'ai des murs aussi. Mais les murs, j'en aurai plus après. Oh là là, c'est. Ouais, ce serait franchement bien qu'elle ait un abri. Bon, l'oignon, je vais le mettre. Je les éparpille un petit peu, je trouve ça fait plus sympa. Hein, moi, j'aime bien. Ah. Et puis, je m'en fous. Hop, on va planter. Qu'est-ce qu'on a exactement? On a une fleur de muffillier là. On a des champignons, deux plants, ok. Mais champignons, ça coûte pas grand-chose. On est vraiment très limité, hein. Ça non. Été, printemps, j'en aurai plus. Ah, mais c'est pas con ça. Je devrais les vendre maintenant, du coup. Vu que c'est qu'une qualité normale. Voilà. Les fraises, c'est au printemps. Je vais en planter un petit peu encore, des muffiers. Il est gentil le faire à ma place. Merci Lucie Citrouille. Alors ça on peut vendre 10. Ah bah ça va, je fais un bénéfice de 5. Pour l'instant on n'en a pas besoin, alors on s'en fout. Oh, ça y est, on peut faire les meubles. J'aimerais bien qu'elle fasse des meubles un peu bizarres. C'est dans ma première partie de test. Elle avait fait un tabouret tout bancal et je l'avais gardé. Je trouvais ça trop bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est que niveau 2. C'est pas. C'est bon, hein? Un bip-a-ten. Et après, on fera quand même un petit tour du terrain. Je sais pas s'il y aura grand chose, mais au moins des murs, peut-être. Si je les ai pas déjà récoltés la dernière fois. Ouais, ça m'a pas l'air d'être. Oh, c'est bon, il y a tout. On va pouvoir se faire des sous. Lenard. Par contre, assez rapidement, parce que
Ouais, il nous reste encore un jour d'été, c'est bon. Bon alors, tu te dépêches à faire ton meuble. Oh, on a gagné beaucoup de sous. J'ai pas vu. J'ai pas regardé combien j'ai eu avec les plans. Ok, qu'est-ce qu'elle nous a fabriqué? Ah, elle a pas raté. C'est dommage. Sais même pas où le mettre. Ok. On va le mettre là, hein. Parce que. Non, on peut pas le mettre autour de ça. Ici, ça fait rien. Tiens, je vais le laisser à côté de l'établi, ça fera bien. Par contre, je vais changer sa couleur, j'aime pas. Ah, je peux pas. C'est nul. T'aurais pu faire un tabouret en bois, hein, pour commencer. Enfin, en vrai bois, quoi. Ça, c'est un. Je dirais que t'as mis un coussin et tout. Tu l'as trouvé où tout ça? Voilà, là c'est bien. Bon, on va faire un petit tour, on va faire des petites récoltes. Allez. Ah oui, je sais pas si vous l'entendez aussi, mais j'ai mon meilleur ami qui est avec moi actuellement. Tu peux te présenter? Bonjour. Oui, en fait, c'est mon ventilo. Voilà. C'est mon ami de l'été, parce que sans lui, je ne peux pas vivre. Il y en a plein. Tant mieux. Ouais, mais elle prend tout, ok, super. On va pouvoir tout vendre, se faire des sous sur la nature. Oh. Ah, mais bon, c'est normal. Tiens, on va creuser, peut-être qu'on trouvera un truc utile à vendre dedans. Et après, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est dès que j'ai construit. Oh, un enfant là-bas. Ah non, c'est pas un enfant. Dès que j'aurai construit un petit carré de. Comment dire? De maison où elle pourra se mettre à l'abri quand il fera vraiment froid. J'irai en vacances. Une capsule temporelle. Ça, c'est quoi? Des champignons. Des fraisiers, mais ça, c'est pas la même saison. Waouh, j'ai trouvé un trophée quoi. Je crois que je l'ai en plus. Je sais plus. Ah, mais je les garde pas, c'est vrai. Au début, je les garde pas. Ça fait toujours 25, c'est de plus en plus. Oh. On va pouvoir s'acheter un bout de terrain. Enfin, un bout de terrain, pas un bout de terrain. Un petit endroit où se mettre à l'abri pour l'hiver. Ah ouais, ok. Bon, on va monter, hein. Si je suis déjà passée, puisque c'est le chemin pour remonter chez moi. Est-ce que j'ai pris les trucs là? Et oui. Ensuite, il y a des trucs par ici. Tiens, tout récolter. Prends ça fait des sous. Ah, il n'y en a qu'un aujourd'hui.
Canicule, ouais. Heureusement, c'est le dernier jour de la canicule. Ce qui aurait été super, parce que j'ai pas l'impression que ce soit ça, c'est qu'ils aient des coups de soleil ou. Des coups de soleil ou. Du bronzage. Franchement, ça aurait été cool. Ça aurait été plus logique, surtout pour la canicule, quoi. Ah, il y a beaucoup de choses à creuser, c'est bien, ça fait des sous. J'ai trouvé un poisson, c'est ça? C'est chou. J'ai trouvé un poisson enterré. C'est dégueulasse. Ça, c'est quoi? Fraisier, ok. Waouh, j'ai trouvé une grenouille surface du soleil. Ah mais... Ah non. C'est bon. J'ai cru que je les avais oubliés, mais non. C'est bon. Après, on retourne à la maison. Ouais, niveau 5. Juste en récoltant des plantes. C'est un peu illogique. Merde, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que ça fait? Prendre des boutures et greffer des plantes. Ah, super. Pour faire des plantes hybrides. Ça va être une roche calcaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un énorme trilobite! Et une trace de sabot préhistorique. Ah, c'est cool ça. Bon, ça, je l'ai déjà. Oh, on a plein de sous. Et les verrons, est-ce qu'ils sont de quelle qualité? Je vais même pas voir leur qualité. On va les garder, on va les manger. Je sais pas si on peut, mais on verra bien. Comme ça. Voilà. Bon, je vais un peu accélérer, hein, parce que là on se fait. Ça saoule. Et ensuite, elle va aller faire pipi par les buissons. Il est où le buisson? Voilà. Et voilà. Ah, j'en ai deux quand même. Bon, bah, on va en vendre une. Et tout de suite, avant la fin de machin, on va. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça, moi? Allez, hop, c'est bon. Voilà. T'as sommeil. Mais t'as faim aussi. Ah, ça marche. Les poissons que j'ai trouvés dans les... Tu trouves des poissons enterrés, tu peux les faire les cuire et les manger, c'est bien. Ah, ben j'ai bien fait hein, parce que c'est nuageux. Bon, il fait chaud encore. Acheter des toilettes. Non mais fais pas une sieste, tu dors. Il fait chaud hein, quand même, mais il fait nuageux, donc il fera pas beau. C'est les jours de nuageux, j'aime pas moi. En vrai. Dans la vraie vie. Oh! C'est quoi? Fin de l'été. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça y est. Y a plus rien. J'ai tout eu. Oh! Ça y est. Ouais. On est en automne. Laura,
Non, l'automne. Pourquoi à chaque fois tu te brûles? Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième épisode qui vient de se terminer. Donc, si vous souhaitez connaître la suite, je vous conseille de rester sur vos gardes, car il va bientôt sortir le prochain épisode du défi Annie de la forêt. Et donc, il va y avoir plus de changements pour la suite. On va essayer de se faire un peu plus de sous et d'agrandir notre nouvelle petite maison. Notre nouvelle petite maison qui nous protégera du froid pour l'hiver. Donc n'hésitez pas à regarder les autres épisodes de ma chaîne, par exemple le premier épisode du défi Ami de la forêt. Et puis dans tous les cas, donc la suite arrivera bientôt, donc j'espère beaucoup plus rapidement que pour ce deuxième épisode. Mais dans tous les cas, je continue ce défi, donc n'hésitez pas à me suivre si ça vous dit. Et me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre. Et moi je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!